profondeur des passages de traitement. Ça m'arrive vraiment au genou. Tu vois le bébé un peu? La météo est capricieuse. Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la partie 1 vous aura extrêmement plu. Du coup c'est parti pour la deuxième partie de ma saison de moisson. Donc on est dimanche matin, on reprend, on s'était arrêté hier puisque c'était pas assez sec. Donc on va essayer dans une autre parcelle un peu plus loin aujourd'hui. Donc aujourd'hui normalement il y a Damien AgriTP qui va venir m'aider, qui va venir filmer le chantier d'aujourd'hui et qui va permettre d'avoir des images de ce qui se passe. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne en description bien évidemment. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour ce deuxième épisode, c'est parti. Tu veux peut-être un coup de main? Tu veux peut-être un coup de main? Bon du coup là, parcelle un peu compliquée, il y a pas mal de verre, c'est pour ça que j'ai mes rabatteurs vraiment dans la culture pour être sûr que ça parte, que ça passe vite. En plus ça lève régulièrement parce qu'en fait il y a les passages de traitement, je sais pas si on voit bien, les passages de traitement sont vraiment pas faciles du tout. Et du coup ça saute un peu, donc forcément voilà, minimum de respect pour celui qui fait la paille et de pas lui mettre la paille dedans. Donc là, ben, c'est pour ça que je suis qu'à moitié de coupe, quasiment. La journée est vraiment pas évidente parce que forcément en fait les parcelles ont mouillé cet hiver parce qu'on est juste à côté d'une mare et la mare a débordé. Du coup ça a pas mal marqué et du coup ça saute énormément. Là ça va encore, je suis encore dans la bonne partie. La partie qui est plus au fond là-bas, vous allez voir tout à l'heure. vous allez voir. C'est la misère. C'est la misère. Et ça c'est la faute à la météo, donc de toute façon. On n'y peut pas grand chose. Je vais vous montrer d'un peu plus près pourquoi c'était compliqué certains passages. La profondeur des passages de traitement. Encore là, ça va, là ça a commencé à être un peu pire. En fait, c'est que ça, la partie qui est plus haute que la culture remonte les palpeurs. Du coup, c'est pour ça que je coupe aussi haut. Et il y a vraiment des endroits, ça n'a pas dû être évident de passer cet hiver. Facile, ça m'arrive aux genoux. Impressionnant, ça m'arrive vraiment au genou. Donc bon, forcément, la titine elle a du mal. Encore un grand merci à Damien AgriTP pour les plans qu'il fait du coup pour la vidéo et du coup sa vidéo à checker sur sa chaîne. Et donc du coup sa vidéo sera en lien dans la description si elle est déjà sortie, sinon il y aura au moins le lien de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Encore un grand merci à toi Damien.
dernier épisode, j'ai vu que t'avais pas mal, t'avais regardé la vidéo, mais pas encore abonné. Bah écoutez, pour tout cela, je vais vous laisser aller le temps de boire ma gorgée pour vous abonner, activer la cloche. Et pourquoi pas laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Allez, je regarde. J'ai très soif, donc ça peut être très long. La vidéo avec tous les autres. Merci. Allez, on est reparti. Allez, c'est parti. On va les vider. Wow. Dans le petit JD. Et je parle pas de youtubeur. D'ailleurs, il y a le grand JD. Pas le petit YouTube. J'adore. La météo est capricieuse, donc on va rajouter pour la journée. Du coup, j'ai eu le temps de faire 14 hectares, 15 hectares plus les tours d'une de 12 hectares. Et puis voilà. Puis ça va s'arrêter là parce que il s'est mis à mouiller un petit peu, sauf que le mouiller un petit peu, ça commence à faire beaucoup sur la durée. Et là, la paille est trempée, enfin le blé est trempé. Moi, ça bourre. Enfin, ça bourre. Ça a pas bourré, ça a failli. Du coup, on va arrêter, puis on verra demain. Et puis voilà. Bon, écoutez, on se retrouve quand il fera bon. Bon, du coup, la pluie s'est arrêtée. Hier soir, il a plus que 3 mm. Juste assez pour faire chier. Là, il est 10h, je vais souffler la machine, et puis on va voir si on peut recommencer tranquillement ou pas. Le soleil tape un peu, donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Bon, du coup, hier, elle est passée au compresseur. Du coup, ce matin, c'est souffleur. Allez, zou! Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Prendre de la poussière dans la gueule, c'est jamais agréable. J'ai pas réussi à trouver de masque avec les deux filtres. Du coup, j'ai chopé ça. Alors on a l'air d'un con, mais c'est super efficace et on y voit vachement bien dedans. Allez, c'est parti, on se lance dans les triticales. Donc là, je fais mon premier tour, ça a l'air d'être pas trop mal. On va aller voir un peu dehors ce que ça donne. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Je sais pas si on va bien voir. Donc pour le tritical, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un petit peu ma vitesse rotor. Je suis passé à 1100, j'ai écarté un peu le contrebatteur à 14, qui a plus de paille, qui a plus de matière à passer. Les vents sont restés à 900. Après les grilles supérieures, je les ai ouvertes à 12, donc je les ai un peu fermées par rapport à tout à l'heure, et j'ai ouvert par contre les grilles inférieures à 5. C'est la glane qui est assez petite. Et puis voilà. Tiens, avant de me demander pourquoi je coupe si haut, je vais vous montrer pourquoi je coupe si haut. Parce que dans la parcelle, t'as des pierres comme ça. Tu vois le bébé un peu? Putain, c'est des minières le bordel. Là mon gars. Bon, du coup, on est dimanche, du coup, petite pause casse-dalle. Et qui dit petite pause casse-dalle dit aussi vidéo de McFly et Carlito. Et oui,
Ça c'est bon. Je voulais en profiter pour remercier énormément la famille Ford pour leur accueil sur l'entreprise où je suis, donc Anthony et ses parents. Donc merci énormément. J'ai été super bien accueilli, l'ambiance était vraiment juste parfaite. Quoi. C'était vraiment la saison de rêve, quoi, clairement. Je suis sur une machine, on me fait confiance, on apprend. Si j'ai un problème, je demande, il n'y a pas de souci. C'est pas extrêmement la cause. Bon, l'année, ça, c'est à cause de l'année, mais. Et voilà, franchement, c'est ma deuxième, troisième saison, vraie saison. Et franchement, je suis super content. Et merci encore énormément à eux pour leur accueil, etc. Et même pour tout, voilà, on m'a laissé ma petite maison et tout. J'étais logé nourri blanchi, donc franchement, c'était chapeau. Et merci encore énormément à eux. Voilà, c'était très long. Mais franchement, ça m'a énormément touché et j'ai passé vraiment une super saison. Donc voilà, merci également aux clients pour leur hospitalité. La plupart des clients m'ont amené à manger. Tous les clients m'ont amené à manger. Et merci à eux d'avoir compris. C'était aussi ma première saison, que je ne faisais pas forcément sur les premiers hectares tout ce qu'il fallait comme il fallait. Mais merci vraiment à eux et à la famille Ford encore une fois. Donc n'hésitez pas, hein, donc si vous êtes dans le secteur, donc si vous êtes sur Saint-Sauge, j'en profite pour les placer une petite pub. Si vous êtes aux alentours de Saint-Sauge, aux alentours, donc la SARL Ford, donc de nombreux travaux agricoles, notamment du coup battage, pressage. Voilà, vous aurez tous les contacts dans la description. Pour pouvoir recontacter Anthony. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfin, ces deux vidéos, du coup, la partie 1, la partie 2. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. Heureusement que, du coup, Stervio et Damien GTP sont venus pour m'aider à filmer parce que sinon j'aurais pas pu vous montrer grand chose. Donc bah écoutez, c'est sur ces belles paroles que je vais vous dire à une très prochaine. Il y a énormément de choses qui vont arriver à partir de la rentrée de septembre, je vous prépare tout ça. Il y a énormément de nouveautés qui vont arriver. Donc écoutez, restez connectés et merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour que je puisse avoir votre ressenti, un like si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager. Merci encore infiniment d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à une prochaine. Agricole dans votre et ciao. Can you do English please?